Les nations africaines, c'est une petite coupe du monde. Nous n'avons pas l'occasion de rêver de gagner les coupes du monde. Alors une médaille d'or... Il a tiré le groupe un peu vers le haut, vraiment vers le haut, et vers l'idéal que nous recherchions, à savoir gagner les Jeux olympiques. Brésil-Cameroun, c'est parti pour une place en demi-finale des Jeux olympiques. Quand nous tombons face au Brésil, oh, tout le monde dit que bon, c'est fini, ils vont s'arrêter là. Nous étions gonflés à bloc, mais on avait Ronaldinho en face et 10 autres bonhommes. Nous autres savions très bien contre qui nous allions jouer. Nous avions une grande équipe avec grandissimes joueurs. Tous les joueurs de la sélection d'eux ya jugaban en grandes equipos de Europa. Creo que más que nosotros brasileños, que éramos muy jóvenes. Voilà, ce sera Jérémy qui ouvre le score pour le Cameroun. Roger et la sortie de Cavani. Que décide l'arbitre. Carte rouge pour Adimba. Nous avons joué à 9 pendant les 3 quarts du match. Et les Brésiliens ont égalisé pratiquement la dernière seconde. Ronaldinho, Alex, c'est Ronaldinho qui égalise. Et vous voyez, nous entamons les prolongations. À 9, le Brésil à 11. Et il y avait ce qu'on appelait le but en or. C'est-à-dire, l'équipe qui marque le premier but, c'est terminé, le match s'arrête. Tout le monde était derrière nos buts pour saluer le deuxième but du Brésil qui mettait fin au match. Les Camerounais qui ont un bon coup à jouer ici par Mbappé. Frappe de Mbappé. Le Cameroun qui se qualifie pour les demi-finales olympiques et qui élimine le Brésil grâce à un but du Soudanais Mbappé. Les gens n'en revenaient pas, le monde entier n'en revenait pas. Mais ça a été une année euphorique.